olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. La bossa nova, née dans les années 50 au Brésil, du talent de jeunes musiciens de Rio de Janeiro. Un genre musical doux et romantique qu'Eliane Elias, née à Sao Paulo, a découvert avec les plus grands du genre. La bossa nova est une combinaison La bossa nova est un merveilleux mélange de samba brésilienne et de jazz. Sa musique est apaisante, elle a des rythmes agréables et de belles mélodies. Aux douceurs de la bossa nova, Eliane Elias ajoute volontiers des rythmes de jazz et de rock. Dans l'idée de faire vivre la musique brésilienne, elle revisite volontiers le genre. Si vous écoutez des interprètes comme João Gilberto, il a adapté des standards de la chanson française, italienne ou américaine à la manière de la bossa nova. La bossa nova est une manière de jouer et elle peut se faire avec d'autres chansons aussi. Y compris celle de Dave Brubeck et même des Doors. Une chanson est bonne ou mauvaise. Et c'est pareil pour le message et les paroles. J'ai chanté des morceaux de Stevie Wonder et j'ai aussi chanté Light My Fire. La guitare est l'instrument de la bossa nova. Mais là aussi, Eliane Elias apporte sa patte personnelle. J'ai développé une technique, une manière de jouer très particulière. Je joue de la bossa nova au piano. En tournée en Europe, Eliane Elias sera au théâtre du Châtelet le 12 novembre avant de s'envoler pour l'Allemagne et les États-Unis.